La semaine de la sécurité routière bat son plein. Le mardi 7 février dernier, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire était aux côtés des transporteurs de Cocody. Il a invité ces derniers et les autres acteurs de la route à la responsabilité et au civisme afin de préserver des vies. Là que nous sommes ici aujourd'hui, devant les conducteurs, devant les patrons d'entreprise, devant les propriétaires de véhicules, pour lancer encore une fois ce message du ministère des Transports, pour dire stop donc à l'incivisme sur la route. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons souhaité que tous les acteurs s'approprient donc cette philosophie pour que désormais sur nos routes, nous puissions avoir des jeunes gens conducteurs extrêmement soucieux du respect du code de la route et par ricochet, de protéger la vie des humains et leur vie eux-mêmes. Un message soutenu par le président des transporteurs de la commune de Cocody. Généralement, les gens pensent que, non, que quand on voit la police qui retire des pièces, c'est ça qu'on appelle la sécurité. Non, nous avons pris notre temps à informer nos conducteurs, le civisme sur la voie publique. C'est-à-dire, quand tu dois transporter la population et que tu ne te soucies pas de leur propre vie, ça ne sert à rien de conduire un véhicule. Donc, nous, notre rôle précédemment, avant tout cela, c'était de conscientiser nos conducteurs différemment, sur tous les axes, si possible, éviter l'alcool. Notons que la semaine de la sécurité routière est prévue tous les mois durant un an.